Je déclare la séance ouverte et donc je demande notre Benjamin de séance de bien vouloir procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Alors, Sophie Arrigui, Gabriel Bendayan, présent. Brigitte Bénichoux, représentée par Madame Estienne Dorve. Éléonore Bèze, Aurore Bruna, Marc Capuano, représenté par Monsieur Di Giovanni. Laure Agnès Karadec, représentée par Madame Bruna. Catherine Chantelot. Emmanuel Charaf, représenté par Madame Arrigui. Anne-Marie Destienne d'Orve. Maria Dacruz Villela, représentée par Monsieur Rosato. Gilles Darmon. Bertrand de Haut de Sigy. Sylvain Di Giovanni. Richard Dubreuil, représenté par Madame Bèze. Nathalie Fédy. Claude Ferchat. Marie Ferrero, représentée par Madame Martineau. Richard Findikian. Caroline Guillaume, représentée par Madame Bruna. Frédéric Guel. Sophie Guérard. Sylvie Hermant. Gilbert Hoffmann, représentée par Monsieur Royer Perrault. Dominique Alavarez, représentée par moi-même. Florian Lepape. Sophia Mabrouk, représentée par Monsieur Darmon. Marie Martineau. Sandrine Morel, représentée par Monsieur Dehaut de Sigy. Hervé Manchon, représenté par Monsieur Lepape. Daniel Moine, représenté par Madame Fédy. Nathalie Morand, représentée par Monsieur Villeneuve. Patrick Papalardo, absent. Didier Réaud, représenté par Monsieur Guel. Pierre Robin. Blaise Rosato. Lionel Royer-Perrault. Présent. Jeanne Saint-Paul, représentée par Monsieur Findikian. Pierre Semeriva. Aïcha Sif, représentée par Madame Hermand. Daniel Sperling, représenté par Madame Chantelot. Catherine Tellandier, représentée aussi par Madame Chantelot. Il doit y avoir une erreur. Ah, alors là, il y a... c'est possible. C'est possible. Ah, oui, effectivement, oui. La loi a été modifiée. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, pour la crise sanitaire, on peut avoir deux pouvoirs. Donc Didier Tani, représenté par Monsieur Ferchat. Guy Tessier, représenté par Monsieur Robin. Et Michel Villeneuve. Très bien. Mais écoutez, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir valablement délibérer. Donc je tiens à préciser que cette séance se tient en partie en présentiel avec la moitié de la présence des élus du conseil d'arrondissement pour respecter les règles de distanciation et qu'en même temps, cette séance se tient sans public et est retransmise donc par vidéo, par visio, sur le site de la mairie d'arrondissement. Nous avons tâché de nous professionnaliser pour cette séance. J'espère que cela fonctionnera. Donc, je soumets avant toute chose au vote votre approbation concernant le compte-rendu du dernier conseil d'arrondissement. Monsieur Lepape. Pardon ? Mais il n'y a pas de souci. Approchez-vous et j'ai pas l'impression que le micro marche. C'est bon ? Voilà, c'est parfait, on vous entend. Alors, Monsieur Royer-Perrault, alors vous êtes coutumier du fait, mais répéter des mensonges n'en fait pas des vérités pour autant. Moi, j'aimerais revenir sur votre intervention rapportée sur le compte-rendu du dernier conseil d'arrondissement, où vous revenez une nouvelle fois sur ma présence lors d'une distribution alimentaire de vendredi 13, et où vous m'accusez d'y être venu, nommément d'ailleurs, pour, je vous cite, « distribuer des tracts du syndicat des étudiants révolutionnaires », dont je n'ai bien évidemment jamais entendu parler. Cette visite, elle faisait suite à notre rencontre avec les associations du secteur, qui avait été faite auparavant par notre adjointe à la solidarité au niveau municipal. Nous avions rencontré le Secours populaire français à Pont-de-Vivot, l'association culturelle de Lumini, qui distribuait également des colis aux étudiants, et enfin, avec des militants du printemps marseillais, dont certains, je le rappelle, sont membres de Vendredi 13, nous sommes allés remercier du travail effectué et apporter notre soutien de la ville à cette association. Sur place, effectivement, il y avait deux personnes, des femmes plutôt âgées, donc difficile de les confondre avec moi, qui distribuaient des tracts pour une organisation que, a priori, vous semblez mieux connaître que moi. Nous sommes allés à leur rencontre, effectivement, notamment avec le président de l'association Vendredi 13, pour leur dire que ce n'était pas le lieu, puisque c'était indécent de proposer une pétition et de distribuer des tracts à des gens qui venaient simplement manger.
Elles se sont d'ailleurs exécutées en se retirant par la suite. Nous avons échangé un peu plus longuement sur ce qu'étaient ces distributions alimentaires et pourquoi on ne souhaitait pas que ces personnes elles, soient là. Mais plus grave que vos propos que vous avez répétés à plusieurs reprises, vous avez eu la bonne idée de publier sur les réseaux sociaux et de le laisser un certain temps, lâchant ainsi les loups qui nous rappellent bien évidemment votre formation en politique. En effet, en plus d'incitation à la violence de vos amis, nous avons été insultés d'ennemis de la France, de blattes à éliminer, de crapauds et j'en passe d'autres. Elles sont multiples, nous les avons gardées. De ce fait, et par ce fait, vous êtes sortis du champ républicain et je vous demande, comme dans le communiqué de presse que j'avais fait pour répondre à ces propos, de vous ressaisir et d'élever le débat au niveau de vos responsabilités. Merci. Bien. Ben écoutez, ma réponse, elle va être simple, monsieur le pape. Vous avez l'habitude, vous, les gens de l'extrême gauche, pour ne pas dire de la gauche extrême, de refaire l'histoire comme elle vous arrange. Et c'est assez croustillant de voir comment vous essayez, quasiment 4 mois ou 3 mois après l'événement, vous essayez de refaire les événements tels qu'ils se sont passés. Alors vous pourrez me dire que vous étiez là par hasard, vous pourrez me dire que vous étiez là parce que, pris d'une générosité spontanée, vous étiez venu soutenir vendredi 13, d'ailleurs vous n'y étiez pas les samedis d'avant et on ne vous y a pas vu les samedis d'après non plus. Comme quoi la générosité et la solidarité chez les gens de l'extrême gauche, c'est à géométrie variable, c'est surtout en fonction des intérêts électoraux. Donc je suis vraiment désolé de vous contredire, je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais je confirme mes propos en tout point. Vous étiez là à des fins politiques et ça n'a échappé à personne. Vous étiez là pour faire de la distribution de tracts parce que c'était un moyen très commode de pouvoir capter ces jeunes qui étaient en difficulté pour faire votre propagande politique. Et vous étiez là pour en aucune manière contribuer, participer à l'élan de solidarité. Nous, ce jour-là, la mairie de secteur, elle était présente. Elle était présente parce que des commerçants du quartier, sollicités par les adjoints de quartier, que ce soit Madame Fédy, que ce soit Madame Arrigui, que ce soit Monsieur Hoffmann, ces adjoints de quartier étaient allés voir les boulangers, les primeurs des 9e et 10e arrondissements, que ces derniers avaient donné donc des denrées périssables, et que donc nous avions fait ce don à l'association du vendredi 13, et que donc nous sommes venus aussi apporter notre contribution personnelle, humaine, dans la chaîne de solidarité qui animait ce jour-là, donc vendredi 13, ainsi que l'ensemble des bénévoles. Et ce qui m'a, moi, le plus interpellé dans l'affaire, c'est que pendant que les élus, qui sont tout autant qu'élus que vous d'ailleurs, étaient à la tâche, étaient dans l'organisation, aux côtés de vendredi 13, avec vendredi 13, pour justement eh bien, participer à cette distribution, vous étiez gentiment, avec effectivement vos militants, légèrement au milieu de tout ce beau monde, en train de papoter, fumer des cigarettes, distribuer les documents. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que la solidarité, vous n'étiez pas là pour contribuer à aider les gens, vous n'étiez pas là pour participer à la solidarité, à l'élan de solidarité, vous étiez là tout simplement à des fins politiques. Alors vous pouvez me faire mais toutes les leçons de morale et toutes les leçons d'histoire que vous voulez, comme dirait le grand Jacques, ça m'en touche une sans cogner l'autre. Et donc, c'est pas trop dans mon habitude, mais franchement, vous avez au moins la réponse directe à votre interpellation, parce que, entre nous soit dit, le sujet, c'est que la réalité, et vous le savez très bien, vous étiez là à d'autres fins, vous n'étiez absolument pas là pour faire de la solidarité, et soit dit en passant, d'autres actions solidaires ont eu lieu dans le secteur, on ne vous y voit
En aucune manière, mais comment pourriez-vous en être, puisque de toute manière, vous êtes bien élu du 9-10, mais vous, comme chacun le sait, vous y êtes que depuis très peu de temps, et vous n'en connaissez que très peu les rouages et les points d'appui qui permettraient justement d'avoir une action de solidarité véritablement efficiente. Voilà. Ceci étant, le sujet est clos, donc nous pouvons commencer notre débat. Et donc, je resoumets au vote l'approbation du compte-rendu de séance donc de la dernière, du dernier conseil municipal, d'arrondissement, excusez-moi. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le compte-rendu est adopté. Nous passons au rapport suivant, c'est le règlement intérieur. Alors, je le dis tout de suite, le document que vous avez, c'est simplement un toilettage sur la base donc des nouvelles règles qui ont pu sortir depuis donc les dernières, le dernier règlement intérieur sous la précédente mandature. Nous aurons et nous avons l'obligation de le voter dans les 6 mois qui suivent l'élection. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité l'inscrire. Mais à dire vrai, ce qui animait mon intention, c'était que je souhaitais avoir le règlement intérieur du conseil municipal pour pouvoir caler le règlement du conseil d'arrondissement sur celui du conseil municipal. Ayant eu celui du conseil municipal, pour ceux qui siègent au conseil municipal, qu'ils soient dans la majorité ou enfin dans l'opposition, en tous les cas, peut-être que la majorité a eu cette chance de l'avoir avant nous. Mais donc, ne l'ayant eu que très tardivement, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir présenter un rapport de règlement intérieur qui soit calé par rapport aux nouveaux objectifs du règlement intérieur donc du conseil municipal. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous présenterons un nouveau rapport très prochainement qui s'inspirera des nouvelles orientations contenues dans le rapport du règlement intérieur du conseil municipal. Ceci dit, pour respecter le formalisme, comme on a l'obligation de le faire dans les 6 mois, je souhaitais quand même que nous ayons ce règlement qui soit soumis au conseil d'aujourd'hui. Y a-t-il des prises de parole? Madame Bèze, je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, moi j'ai juste deux petites précisions à vous demander. Dans l'article 8, il est question de l'abstention et de la non-participation au vote qui ne sont pas prises en compte. Et je voulais savoir s'ils étaient quand même bien mentionnés au procès-verbal. Oui, bien sûr. D'accord. Et sur l'article 13, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord que le téléphone portable doit être interdit pour des règles de courtoisie, mais juste là aussi confirmer que cet article n'est pas restrictif à la publicité des débats, puisque il n'est pas en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État et le Code général des collectivités territoriales. Juste est-ce qu'avec, en fait, pour diffuser sur les réseaux sociaux. Oui, alors. Voilà, tout simplement. Alors d'abord, l'usage des téléphones, effectivement, est interdit durant la séance, ce qui me semble être la moindre des choses pour la bonne sérénité des débats. À titre personnel, mais c'est la raison pour laquelle le règlement intérieur, ce doit être le fruit d'un travail collaboratif, puisque ce qui est vrai au conseil municipal doit l'être aussi au conseil d'arrondissement. Donc, Madame Karadec, que j'ai missionnée pour animer le débat, pour définir les orientations du règlement intérieur, va vous réunir très prochainement et ça sera un sujet qui sera évoqué. Moi, d'accord, à titre personnel, je trouve que se prendre en selfie ou se filmer pendant que par un de ses collègues, pendant qu'un tel ou un tel parle, je trouve ça particulièrement discourtois. La réponse à laquelle qu'on peut apporter, c'est justement être dans une retransmission telle que nous essayons de le faire aujourd'hui. Donc on va se professionnaliser. Je reconnais que jusqu'à présent, les conseils d'arrondissement se faisaient en présentiel, en public. On ne l'ouvrait pas via les réseaux sociaux. Et demain, ben, si on a, comme ça se fait au conseil municipal, une retranscription via des moyens modernes avec une qualité d'image, rien n'empêchera à ce moment-là les conseillers d'arrondissement de pouvoir demander le passage de leur intervention et après à eux de le mettre sur leurs réseaux sociaux. Mais je trouvais que, franchement, quand on est en assemblée, qu'on voit le voisin d'en face qui est en train de se filmer tout ça, très sincèrement, je trouve que c'est pas très
correct pour la bonne tenue. Sur la méthode, effectivement, discourtois, j'en conviens. Mais sur la loi, sur le principe de l'égalité, tout élu a le droit, effectivement, de filmer et de diffuser sur ses réseaux sociaux. Donc on en discutera. Bah, écoutez, vous en discuterez. Il va de soi que, toute manière, je me conformerai à ce que le Conseil d'État dit. Voilà, comme je l'ai toujours fait dans ma vie politique. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qui, dans la majorité socialiste communiste verte, veut parler? Allez, monsieur le pape. Bon, vous cherchez la polémique systématiquement, c'est vraiment pénible. Hein. Mais je ne cherche pas la polémique. Si vous inventez des noms de groupes qui n'existent pas, mais bon, c'est le printemps marseillais pour information. C'est comme ça que nous sommes déclarés. Il est mort, cher monsieur, il est mort, le printemps marseillais. Mais non, le jour où les Marseillais ont compris qu'ils avaient été dupés, marseillais est mort. Monsieur, ne confondez pas vos rêves et la réalité. La réalité, le printemps marseillais est là. Moi, je suis sur le terrain, ce que vous ne semblez pas être, cher collègue. C'est pas la vérité. L'opposition, c'est vous, la majorité, c'est les gens ont élu Madame Rubirola. Allez, Monsieur Payan, voilà. Donc, je voulais juste revenir sur le règlement intérieur et non pas revenir sur la composition de notre majorité. Au niveau de l'article 22, vous parlez des vœux et ce n'est pas abordé dans la section 1 et notamment l'ordre du jour. Je voudrais savoir concrètement comment cela se passe pour pouvoir émettre des vœux. Les délais, qui peut le faire et comment les exprimer. Bah écoutez, les vœux, alors d'abord, en temps normal et en temps classique, les vœux sont à adresser, c'est le conseil d'arrondissement qui adresse un vœu, donc généralement la majorité adresse assez peu de vœux à sa propre majorité municipale, c'est un conseil que je vous donne, voilà. Puisque vous me laissez entendre que vous faites partie d'une majorité, l'expérience m'a prouvé que généralement on s'adresse à assez peu de vœux. Les vœux qui sont contenus dans le rapport du règlement intérieur, ce sont les vœux que le conseil d'arrondissement émet à l'intention du conseil municipal. Autrement dit, si votre question c'est de savoir si vous pouvez émettre un vœu en direction du conseil d'arrondissement, ça n'est pas prévu. Voilà, mais ça n'est pas prévu par les textes, tant que je le sache. Voilà, donc on va s'en assurer, mais ça sera le travail de Madame Karadec qui va un peu animer tout ça. Voilà. Monsieur Villeneuve, vous aviez une question. Moi, c'est une question très simple. Justement, dans les vœux, admettons que la commission environnement de laquelle je fais partie souhaite faire des vœux sur améliorer certains problèmes qui ont lieu dans le 9-10. Sous quelle forme on le fait? C'est la commission qui vous prend saisie, qui vous saisit à vous, qui fait retransmettre. De quelle manière doit-on émettre ces vœux? Voilà. Déjà, à minima, vous devez m'en saisir. Et vous m'en saisissez alors. Ça peut faire partie des sujets On a discuté tout à l'heure avec la présidente de la commission. Ça peut faire partie des sujets à évoquer donc, dans le cadre de la commission qui sera présidée par Mme Karadec. Mais par définition, vous m'en saisissez. Et vous m'en saisissez dans des délais raisonnables pour que nous puissions éventuellement... toujours par écrit. D'accord. Toujours par écrit. Au moins, on est à peu près certain qu'il y a une trace et surtout qu'on puisse vous répondre. Moi, en ce moment, j'écris beaucoup. J'ai pas beaucoup de réponses, mais j'écris beaucoup. Donc, c'est toujours mieux l'écrit. Voilà. D'autres observations? Aucune. Donc, je soumets au vote. Donc, abstention, opposition. Le rapport est adopté à la majorité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne les mesures d'urbanisme temporaire en situation de crise sanitaire. Et c'est M. Di Giovanni qui va rapporter. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, dans ce rapport, il est effectivement question d'améliorer le confort des habitants de notre ville de Marseille, et notamment par rapport aux nouvelles crises, nouvelles réglementations liées à la crise sanitaire. Il est proposé dans le premier article la création d'équipements temporaires dans les zones d'habitation dépourvues en proximité de parcs, d'espaces naturels ou d'équipements sportifs de proximité. Donc il s'agit d'équipements temporaires. Bon, la crise sanitaire et les réglementations ne datent pas d'hier, mais c'est déjà sympa de le proposer.
Et dans le deuxième article, il est proposé une ouverture optimale de l'ensemble des parcs et équipements extérieurs municipaux durant toute la période de restriction liée à la crise sanitaire dans le respect de la distanciation sociale et des protocoles sanitaires. Donc là aussi, c'est sympa, mais bon, à chaque annonce du gouvernement et à chaque parution de décret, on anticipe toujours sur les plannings des équipements sportifs, notamment en extérieur, pour essayer de faire face le plus rapidement possible à ces problèmes. Comme lorsqu'on décide, par exemple, d'ouvrir des équipements de type centre aéré pour pallier aux problèmes dans les écoles. Mais bon, c'est joliment dit, ça part d'une bonne intention. Je vous demanderai donc de bien vouloir voter favorablement ce rapport. Merci. Très bien. Mais écoutez, je vous en remercie, monsieur Di Giovanni. Bon, après, quand on lit le rapport, effectivement, ça rend les gens heureux et donc on va pas s'en priver. Mais enfin, la ville de Marseille propose de recenser les zones d'habitation dépourvues de tout accès à un parc ou à un espace naturel. Bon, ça doit pas trop s'adresser au 9e et 10e arrondissement. Ou un équipement sportif extérieur à proximité des zones d'habitation. Là aussi, ça doit pas trop s'adresser à nous. De créer des équipements temporaires pour rendre plus vivable cette phase de crise sanitaire. Donc des jardinières. Donc nous sommes heureux d'apprendre que les jardinières rendront plus vivable la crise sanitaire, d'imaginer de construire des équipements avec des acteurs de terrain et grâce à la participation des mairies de secteur et des habitants, bon, comme si on avait attendu la crise sanitaire pour l'imaginer. Bon bref, en tous les cas, on va le voter hein, parce que ça fait partie de ses bonnes intentions et que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais enfin, j'ai quand même la sensation que c'est beaucoup de salive pour pas grand-chose. Allez, on vote. Y a-t-il des observations ? Des oppositions. Donc le rapport est adopté à la majorité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne la mise en œuvre par la ville visant à la sécurisation et à l'aménagement des espaces environnant les écoles. C'est M. Rosato qui rapporte. Merci Monsieur le maire, chers amis. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, chers collègues. Oui. Remercier le printemps marseillais. On n'est pas encore autant au stade des amitiés. Mais enfin, chers collègues, Monsieur le maire. Je voudrais donc remercier le printemps marseillais. Ah. Oui, on peut quand même remercier des collègues d'avoir mis à l'ordre du jour ce rapport qui met en avant la mise en sécurité de nos écoles. Parce que je pensais que depuis toutes ces années où nous étions en responsabilité, notamment sur le cinquième secteur, les centaines d'heures que nous avons passées sur ce secteur des 9e et 10e arrondissement, avec les directrices, les directeurs d'école, avec les comités d'intérêt de quartier, avec les associations des parents d'élèves, afin de sécuriser nos écoles, je pensais que ce travail avait fourni quand même un constat assez intéressant, mais manifestement, le printemps marseillais a jugé que la sécurisation n'a pas été encore à la hauteur. Je pense que dans les 9e et 10e arrondissements, nos écoles sont très sécurisées. Nous siégeons tous ici, les élus de la majorité, au niveau des conseils d'école, que nous ratons jamais aucun conseil d'école. Et oui, chaque fois qu'on a sécurisé ces écoles, on est là, sur le terrain, avec la métropole. Notamment, ce dossier est un dossier métropolitain. C'est-à-dire que la mairie centrale est un donneur d'ordre, mais il faut savoir que c'est la métropole qui a la charge de cette sécurisation. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers collègues et monsieur le maire, mais en attendant, je pense que nous allons peut-être nous abstenir de voter ce rapport. Et si je pouvais me permettre quand même, chers collègues du printemps marseillais, occupez-vous plutôt de servir dans les maternelles les entrées et pour nos primaires les desserts. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Merci. Merci, monsieur Rosato. Madame Guérard, vous avez la parole. Alors, mes chers collègues, je vois que l'ambiance est à la polémique aujourd'hui. Hein. Manifestement, c'est un conseil d'arrondissement musclé. Je ne vais pas aller en ce sens. Ce rapport est présenté sur tous les arrondissements, donc il ne faut pas forcément tout ramener au 9-10. C'est un rapport pour la ville. Et il y a de nombreuses écoles dont les abords sont particulièrement compliqués, avec des trottoirs tout petits, avec une circulation qui est très proche des enfants. Et ce problème est doublé par le fait qu'en ce moment,
avec le protocole, avec les sorties qu'on a à faire, avec la distanciation, on se rend bien compte que lorsqu'on n'a pas de grands trottoirs, lorsqu'on n'a pas les mobiliers urbains qui protègent les gens, c'est extrêmement compliqué. Moi, je dirais juste pour mon école qui est en travaux actuellement, alors c'est parce qu'on est en travaux, hein, mais c'est vrai que ça dure, c'est long, c'est très dangereux sur Dromel actuellement. Voilà. Donc on ne peut pas dire que toutes les écoles de Marseille sont protégées, ce n'est pas la réalité. La deuxième chose que je voulais dire sur ce rapport, c'est qu'il n'y a pas sur Marseille de rue piétonne aux abords des écoles. Il n'y a pas de semi-piétonnisation non plus, ça n'existe pas. C'est ce que font les autres villes, donc on ne va pas toujours avoir 30 ans de retard sur tout le monde. Paris le fait, c'est pourtant une grande ville. Elle en a rajouté énormément en septembre. Je les ai appelés, ils ont mis en place divers dispositifs qui relèvent, c'est vrai, et c'est écrit dans le rapport de la métropole. Certaines dispositions relèvent aussi de la municipalité, comme la limitation de vitesse, comme le pouvoir de police qui revoit la circulation, même si c'est la voirie et c'est la métropole qui le fait. Et pour moi, et d'ailleurs en octobre, j'ai été interviewée par Made in Marseille qui m'a demandé de parler de ce projet et qui est aussi allée demander à la métropole, qui a dit qu'elle y était tout à fait favorable et que ça faisait partie des actions qu'elle envisageait de faire. Pour moi, il n'y a pas de polémique à faire sur la sécurité des tout-petits. Je n'ose imaginer qu'on ne travaille pas conjointement sur ce dossier parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a amené à faire. Dans l'hypercentre, effectivement, c'est là que les problématiques se jouent. Et voilà, moi, je pense qu'on va travailler ensemble. Ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Et on ne fait pas toujours de la politique politicienne. On ne fait pas toujours de l'opposition systématique. À Marseille, c'est comme ça. Il y a la métropole et il y a la mairie. Enfin, moi, j'espère que pendant 6 ans, on ne va pas faire ça. C'est-à-dire, parce qu'on n'est pas de la même majorité, ne pas faire avancer les chantiers qui concernent les Marseillais, notamment les enfants. Juste pour une petite chose, moi je suis citoyenne non encartée, j'ai jamais été encartée, donc je fais partie du printemps marseillais et j'aimerais bien qu'on respecte aussi mon identité politique. Merci. Bien, alors écoutez, bon, c'est toujours très agréable de vous entendre, Madame Guérard, mais vous êtes comme tous vos collègues, hein, c'est-à-dire que quand on vous écoute sur un plan public, tout le monde il est gentil, on travaille tous ensemble, l'intérêt des Marseillaises avant tout et avant toute chose, et puis dans la vraie vie, hein, au quotidien, la politique est partout. Voilà, et donc c'est bien beau de me faire le discours devant tout le monde, avec la presse, tout ça, que votre élévation serait que vous vous intéresseriez aux enfants, que vous intéresseriez aux Marseillaises, aux Marseillais, que nous, nous ne ferions que de la politique politicienne. C'est gentil, mais ne croyez pas que nous soyons dupes de votre façon de faire, et je l'expérimente jour après jour pour ce qui vous concerne. En ce qui concerne le fond du dossier, donc je le redis, hein, vous êtes pour moi la majorité socialiste, verte, communiste. Le printemps marseillais, je suis désolé, a vécu. Vous avez trompé les gens et les gens doivent le savoir. Et jusqu'au mois de juin ou mars 2026, je n'aurai de cesse de le rappeler. Voilà. C'est juste inacceptable ce qui s'est passé et je considère que vous ne vous en tirerez pas à bon compte en laissant croire que le temps fera son œuvre. En tous les cas, ce n'est pas moi qui contribuerai à cela et je rappellerai autant que de besoin que vous avez trahi l'esprit des électeurs, que les électeurs se sont laissés tromper et que par vos manœuvres frauduleuse, vous avez porté à la mairie de Marseille quelqu'un qui, s'il avait été tête de liste, n'aurait pas été élu maire de Marseille. Voilà la réalité. Alors après, vous pouvez m'expliquer le printemps marseillais, spontanéité de la société civile qui se manifeste, vous pouvez tout m'expliquer. La réalité, c'est que vous avez trahi les gens. Je reviens sur le rapport. Le rapport, vous êtes au sein de cette nouvelle majorité, les spécialistes des rapports où on parle beaucoup mais on fait peu. Là, c'est un rapport où 80% des compétences sont des compétences métropolitaines. Donc, vous travaillez, enfin, c'est un rapport à bon compte. C'est pavé de très bonnes intentions, évidemment, mettre en sécurité les abords des écoles à travers différents moyens adaptés au contexte urbain des écoles, piétonnisation durable ou pendulaire. Très bien, pendulaire, donnez-nous concrètement les moyens que vous comptez mettre à disposition pour faire respecter cela devant votre école de la rue de Dromel. Ça veut dire que c'est le boulevard Dromel qu'on coupe. Donc qui s'occupe de couper le boulevard Dromel?
quels sont les moyens que vous mettez à disposition, police municipale, quel matériel. Voilà, vous partez sur des principes qui sont des principes généreux et pourquoi pas intéressants. Mais la réalité, c'est que vous n'allez pas jusque au bout du dispositif pour nous expliquer comment vous comptez le mettre en œuvre. Et avec 470 écoles et au regard du discours qu'a tenu le maire hier, j'ai quand même un peu de mal à imaginer que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Élargir les espaces piétons d'accès aux écoles pour éviter les attroupements de parents aux heures d'entrée et de sortie. Bon, là aussi, c'est d'abord de compétences métropolitaines. Nous essayons de le faire quand c'est possible de le faire. Et en plus, vous savez que nous y travaillons au droit de l'école où vous êtes la directrice en particulier, parce qu'il y a un sujet, et je ne le nie pas, et nous y travaillons déjà. Mais là aussi, vous énumérez des choses qui ne sont pas de votre compétence. Alors oui, c'est de votre compétence au moment où, une fois que les travaux sont décidés, il faudra l'arrêté municipal pour réglementer cela. Bon, mais l'arrêté municipal, il arrive en bout de course du processus, pas au début, et vous le savez très bien. Donc c'est une manière, comme une note, d'essayer de faire croire que c'est vous qui êtes à l'initiative, alors que vous ne le serez pas. Créer pour les piétons des circulations respectueuses de la distanciation physique, marquage au sol, peinture de nature à sécuriser, mais je me permets quand même de vous signaler que lors du premier confinement, c'est ce qui a été fait devant les écoles et les collèges. Et si vous allez devant les écoles et les collèges aujourd'hui, parce que moi je fais quand même aussi des sorties d'école, eh bien les marquages sont encore sur les trottoirs. Donc vous mettez sur votre rapport des choses qui ont déjà été réalisées. Et après, il y a des choses qui, moi, me paraissent... L'école du Cabot, par exemple. Si vous coupez l'école Cabot-Nazuri, vous dites « je sécurise ». Vous faites passer les gens où ? Si vous vous dites « je sécurise l'école Jean Roubin », vous faites passer les gens où ? Voilà, donc moi, après, je confronte l'intention louable à la réalité de terrain. Et c'est là où je me dis « et à la réalité de vos moyens réels, que je connais un peu, beaucoup ». Et donc c'est là où je me dis qu'on est encore dans la posture, ce que vous ne cessez de faire depuis que vous êtes élu. Il n'y a pas une décision structurante de prise. Dès qu'on s'adresse à vous pour avoir des arbitrages, il n'y a pas de décision. C'est ça la réalité de votre gestion, enfin de la gestion de votre majorité. C'est ça, voilà. Donc ce rapport, on n'est pas contre le principe. Si on était contre, on vous le dirait plus directement et plus vertement. Mais on n'est pas dupe. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous proposons de nous abstenir. Voilà. Je soumets au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté avec les voix de la majorité municipale de la mairie centrale. Nous passons au rapport suivant. Donc, c'est l'élaboration du projet éducatif de territoire. Madame Brunat a la parole. Ça va, merci. C'est bon ? Alors, chers collègues, où il y a aussi d'ailleurs, Madame Guérard, dans notre groupe, une volonté pour Marseille de gens issus de la société civile. Donc nous avons plein de choses en commun. Oui, j'en fais partie, monsieur le pape. Donc ce rapport parle d'un principe de lancement de groupe de travail, encore un, en vue de l'élaboration d'un nouveau projet éducatif de territoire. Donc la ville de Marseille est à l'initiative de ce projet. C'est un partenariat qui associe l'État, l'éducation nationale et la caisse d'allocation familiale. Son but est de favoriser la construction d'un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Donc en lançant des ateliers et en concertation donc avec les élus en relation avec les thèmes abordés et tous les représentants de la communauté éducative. Donc nous voterons favorablement ce rapport. Très bien, mais écoutez, je le soumets au vote. Hein. C'est un rapport classique, hein, sachant que ça n'a rien de nouveau, hein, qu'on n'aille pas croire que c'est quelque chose qui a été créé par la majorité actuelle. Ça existait sous la précédente majorité, hein, que n'allez pas... imaginez des choses trop ambitieuses quand même. Voilà. Allez, donc je soumets au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Donc le rapport est adopté à la majorité des voix. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne donc le quartier du Redon et l'école d'architecture. Et c'est Madame Dessiendor qui rapporte. Merci. Monsieur le maire,
mes chers collègues. Donc, cette délibération est l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de 99 ans du 15 juin 85 de l'École nationale d'archi et aussi l'abrogation de la délibération du 1er février 2008. Juste pour rappel, depuis très longtemps, presque 1700 et quelques, l'École des beaux-arts et l'École d'archi n'étaient qu'un seul et même établissement. Et ils l'étaient encore lorsqu'ils se sont installés en 1967 sur le site de Lumigny, et ce, jusqu'en 1980. Afin de régulariser juridiquement la situation complexe des deux écoles, une première délibération et convention avait été signée en 1985 entre la ville, le ministère de l'urbanisme, du logement et des transports. Cette convention portait sur la mise à disposition de l'école d'archi de locaux, de terrains, et ce, à titre gratuit, pour une durée de 99 ans, à compter du 1er janvier 1980. Elle prévoyait également la mise à disposition, à titre onéreux, d'une villa de fonction. Une seconde convention datant du même jour fixer les modalités de répartition entre les deux écoles des charges relatives à l'énergie, au fluide, à l'entretien. La situation au fil du temps a beaucoup changé, les écoles se sont modifiées et donc en 2008, une deuxième convention a été signée avec et passant aussi au conseil municipal. Malheureusement, cet avenant n'a jamais été signé. Et donc aujourd'hui, nous devons en tout cas donc abroger la délibération. Je vous demande donc d'émettre trois choses. Un avis favorable pour que l'article 1 soit abrogé. Un avis favorable pour que la délibération du 1er février soit aussi abrogée. Et bien sûr, d'émettre un avis favorable pour que soit approuvé l'avenant numéro 1 à la convention du 15 juin 85. Merci, Madame de Sendorf. Je soumets au vote des observations, des oppositions. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Il s'agit donc de l'acquisition et de l'amélioration d'un logement social dans le 10e de type PLS. C'est Madame Chantelot qui rapporte. Oui, monsieur le maire, chers collègues, c'est la société foncière d'Habitat Humanisme qui est, dont le siège social est à Cadieux-Récuire, qui envisage l'acquisition et l'amélioration d'un logement à la Caplette, au 1 boulevard Saint-Jean. Il s'agit de vous demander d'approuver la garantie de la ville de Marseille pour à hauteur de 55% de l'emprunt de 78 000 euros que fait cette association. Merci. Bon, c'est du social diffus en PLS, donc je soumets au comme vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. C'est la création d'un groupe de travail sur l'évolution des bureaux municipaux de proximité. Et donc, c'est Madame Arrigui qui va rapporter. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport propose la création d'un groupe de travail sur l'évolution des bureaux municipaux de proximité, afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité du service rendu aux Marseillais. Alors, ce groupe de travail sera animé par deux adjointes, l'adjointe en charge de l'état civil et l'adjointe en charge de la modernisation du fonctionnement, de la transparence, de la coproduction de l'action publique et de l'open data. Et de ce groupe de travail devrait être complété par des agents des services, des experts qualifiés en matière de gestion de la relation citoyenne, des représentants des usagers. Alors ça fera encore un groupe de travail après 7 mois de mandat. Et on peut également se demander où, dans ces deux articles à voter, sont mentionnés les représentants des mairies de secteur. Parce que si on doit travailler ensemble, il faut quand même l'acter. Voilà. Très bien, merci Madame Arrigui. Bon, là aussi, bon, c'est quelque chose d'assez surprenant, la façon de procéder. Bon, je confirme, encore un nouveau groupe de travail. 7 mois, la logique voudrait qu'on soit dans l'action, mais on est encore dans la réflexion. Bien. Deuxième chose, on ne comprend pas très bien ce que vous voulez faire, à dire vrai, même si on a quand même entendu l'annonce du maire qui laisse entendre donc qu'il y aurait des amplitudes jusqu'à 20 heures.
Donc, je ne sais pas ce qu'on va négocier, puisque déjà, il a indiqué que les gens devraient travailler jusqu'à 20 heures, ce qui n'a pas manqué de surprendre d'ailleurs les agents, soit dit en passant. Ce qui nous surprend beaucoup, et c'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir, c'est que le fameux groupe de travail pour justement débattre du sujet, il y a tout le monde, sauf les élus d'arrondissement. C'est quand même assez surprenant. Il y a des experts qualifiés en matière de gestion de la relation citoyenne. Donc, si vous avez une explication sur ce que sont les experts qualifiés en gestion de la relation citoyenne, je suis preneur, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, et des représentants d'usagers. Et c'est quoi la différence entre les représentants d'usagers et les experts sur la gestion de la relation citoyenne? Donc, par contre, ce que j'ai bien noté, c'est qu'il n'y avait pas d'élus donc de secteur. Et ce qui me surprend, quand même, c'est que vous repensez certains services publics de proximité, et en même temps, et là je tiens à faire part de mon courroux le plus total, vous fermez, vous réduisez des services publics de proximité existants. Depuis lundi, les services du centre communal d'action sociale de Mazargues ont été réduits à 2 jours ouvrés, le mardi et le jeudi, et il n'y a plus d'accueil des publics en précarité, ni le lundi, ni le mercredi, ni le vendredi. Autrement dit, pour un bassin de population de 90 000 habitants, avec des publics qui sont en difficulté, les publics notamment, je ne veux pas les stigmatiser, mais enfin, nous avons des publics en difficulté à la Cayolle, à la Soude, à la Cravache, à Mazargues, bref, des publics qui ont besoin de ces services. Nous avons des personnes âgées qui ont besoin de ces services. Eh bien, vous les renvoyez à la rue Borde. Alors, très sincèrement, quand on est de gauche, attaché au service public, attaché au service public de proximité, et prendre comme première décision dans le secteur des 9e et 10e arrondissements où il y a 90 000 habitants, la réduction des services publics pour les personnes en difficulté, alors là, j'avoue que je dis chapeau, et personne n'aurait imaginé pouvoir le faire en aussi peu de temps. Donc il sera dit quand même, dans l'histoire politique de la majorité socialiste communiste verte, donc de cette ville, que la première décision prise dans les 9e et 10e arrondissements, ça aura été la réduction des services publics de proximité en direction des publics en précarité dans notre secteur municipal. Bravo. 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 Très sincèrement, je trouve ça assez ahurissant. Et après, sans concertation, hein, bien sûr, sans concertation. J'ai soulevé la chose au conseil municipal. Madame Garino, l'élu qui est en charge de ça, on réforme. On appelle le maire d'arrondissement, mais c'est vrai qu'on oublie souvent d'appeler le maire d'arrondissement. Ce n'est pas la première fois. La réforme se met en place, pas un appel d'un élu. Rien du tout. Rien. Et les personnes âgées, on les renvoie à la rue Borde quand elles habitent au fin fond de Lumigny ou de la Cayolle. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et sachez que moi, en tous les cas, je trouve ça juste inacceptable. Vous parlerez sur un autre rapport, parce que vous ne parlez pas après le maire, c'est la tradition, c'est ainsi fait. Donc, je soumets au vote. Donc, bah oui, écoutez, c'est un peu ce que me répond M. Payan quand je veux reprendre la parole, voyez. Eh oui. Chacun est maître de son ordre du jour, Madame Guérard. Voilà. Et donc, il faut apprendre les règles, et je les apprends vite aussi dans d'autres hémicycles, puisque c'est ce qu'on m'a fait le reproche l'autre jour, donc je n'ai pas oublié. Allez, donc je soumets au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté grâce aux voix de la majorité socialiste communiste verte. Nous passons au rapport suivant. Donc, mise en valeur paysagère et amélioration de l'accueil au public sur le site de Sugiton. Allez, c'est M. Gall qui rapporte. Monsieur le maire,
Mes chers collègues, voilà donc c'est le rapport, donc les deux rapports que nous allons présenter, c'est le 2108 et le 2109. Ça concerne en fin de compte la restauration du site de Sugiton. Donc il s'agit donc de protéger donc l'ensemble des plantes donc de ce site, de mettre en place des chemins qui permettent d'éviter l'épiétinement donc des végétaux qui sont en grande souffrance dans cette calanque. Donc il y a deux programmes, le programme donc de 2108, donc c'est dans le cadre du programme européen LAF Habitat Calanque. Il s'agit donc d'une programmation qui d'une restauration qui s'élève à 333 000 euros. Alors, il y a évidemment les financeurs, le parc national, donc le président est notre ami Didier Réau, le département, l'État et la ville de Marseille. Évidemment, c'est hors taxe. Enfin, hors donc de ce programme LIFE, il y a aussi donc une restauration d'une partie de la calanque, donc de Sugiton. Et là aussi, donc. Je vous demande aussi d'émettre un avis favorable pour une augmentation donc, de cette autorisation de programme de 30 000 euros. Et l'ensemble de l'opération va s'élever à 270 000 euros. Voilà, donc je sollicite, monsieur le maire et mes chers collègues, donc une approbation de ces articles, de ces deux rapports. Très bien. Allez, je soumets au vote. Donc, le premier rapport, le 08, des observations, des oppositions adoptées à l'unanimité. Le 09, des observations, des oppositions adoptées à l'unanimité. Merci pour votre présentation, Monsieur Guel. Nous passons donc au 10. Ça concerne l'aménagement d'abris à vélo et à trottinette dans les écoles élémentaires. C'est Madame Aurore Brunin qui rapporte. Alors, donc, effectivement, il s'agit d'un projet d'aménagement d'abris à vélo et à trottinette dans les écoles élémentaires. Donc, en fait, c'est dans le cadre du programme Alvéole développé par le ministère de l'Écologie. La mairie propose le lancement d'un appel à projet portant sur l'aménagement d'abris à vélo et trottinette, donc pour encourager les enfants à utiliser ces modes de déplacement pour venir à l'école. Alors, troisième ou quatrième adjointe, la adjointe au maire ou maire adjointe, je ne sais plus trop, avait dit que c'était un petit peu superfétatoire, que peut-être qu'il y avait autre chose à faire avant les abris à vélo et trottinette, mais c'est vrai que c'est un des projets qui remontent de nos conseils d'école également pour quelques écoles. Donc, on est plutôt favorable sur ce rapport. Merci. Très bien, merci. Oui, effectivement, bon, nous avons à peu près 4 ou 5 écoles qui nous ont fait état de leur souhait de l'avoir. Bon, j'espère que d'ici le conseil municipal, vous aurez réglé la friture de ligne qu'il y a entre madame la maire adjointe ou deuxième adjointe, je ne sais plus comment on doit l'appeler, et le maire, hein, puisque j'ai bien noté que madame Galli considérait que ce n'était pas le sujet du jour et qu'il y avait d'autres choses à faire avant de faire les trottinettes et les garages à vélo. Voilà. Mais bon. Ça, c'est l'histoire à régler entre vous. On regardera ça avec intérêt lundi prochain. Alors, je soumets ça au vote. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. C'est le principe des études et des travaux de désimperméabilisation des cours d'école maternelle et élémentaire de la ville de Marseille. C'est un appel à projet. Et c'est Madame Brunin, de nouveau, qui rapporte. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, donc, c'est une approbation du principe d'études de travaux pour désimperméabiliser les cours d'école maternelle et élémentaire de Marseille, donc eu égard aux fortes chaleurs, aux canicules qu'on peut connaître dans notre ville. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a lancé un appel à projet intitulé « Un coin de verdure pour la pluie ». Désimperméabiliser, végétaliser les cours d'école pour gérer les eaux pluviales. Voilà, et la ville de Marseille souhaite donc s'intégrer dans cet appel à projet. bon, attention quand même aux consommations d'eau à réguler avec des moyens écologiques comme le goutte à goutte, peut-être par exemple, surtout qu'on est dans une zone chez nous où on peut être un peu en stress hydrique. Alors, donc. Nous sommes bien sûr là sur des projets à long terme, mais quand même à court terme, je me sens un petit peu obligée de faire un petit point sur la rentrée scolaire.
Donc après avoir vécu énormément de grèves au mois de décembre, novembre, c'est la situation est toujours similaire pour cette rentrée de janvier, avec 2 semaines de grève. Là, certaines écoles attaquent la 3e semaine de grève. Si je donne un exemple, en jour ouvré, par exemple, sur l'école de Sacoman, on est à 25 jours de grève. On a des écoles depuis septembre. On a des écoles très impactées sur le secteur, comme Castelroc, Château-Saint-Cyr, Mireille-Loz, La Pauline, Saint-Tron-la-Rose. Les parents, vraiment, sont à bout de nerfs. Non, mais ça en lien, mais vous tracassez pas. C'est moi qui définis l'ordre du jour et Madame Bruna a la parole et elle seule. Merci, Monsieur le maire. Non, Madame Bruna a la parole et elle seule. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Donc, va falloir apprendre à écouter ce qui est désagréable aussi. Voilà, allez-y, Madame. Donc nous sommes face à des situations, comme chacun le sait, hein, on est dans une période qui est extrêmement anxiogène. Ces grèves rajoutent du stress au stress des parents qui, eux aussi d'ailleurs, hein, sont en difficulté par rapport à leur emploi, par rapport à la situation. Certains, je pense aux restaurateurs, sont dans des situations de crise financière. Bon. Donc quelles solutions ont les parents? Quelles solutions palliatives, hein? Poser des RTT, s'ils en ont, poser des congés anticipés, poser des journées d'enfants malades, des arrêts maladie, mettre les grands-parents à contribution alors que ce sont des personnes vulnérables, voire même emmener les enfants avec eux à leur travail, donc bien sûr ce qui entraîne forcément une rupture scolaire. Les faire rentrer seuls les enfants entre midi et deux avec tous les dangers que cela implique, mais voilà, ils y sont contraints. Et enfin, moi j'ai énormément de parents qui me contactent, alors vous pourrez faire passer le message à monsieur Huguet puisqu'il ne répond pas à leurs sollicitations, et qui me disent vraiment on n'en peut plus, on croit à l'école publique, ce qui est notre cas également, hein. Moi j'enseigne en REP. Et donc vont les mettre dans le privé. Donc toutes ces grèves vont finir aussi par casser notre beau système éducatif. Depuis 25 ans, il n'y a pas une gestion inefficace de votre part de la crise Covid. Enfin, il ne faut pas exagérer, quoi. Oui, d'accord. OK, enfin, très bien. Donc la dernière fois que je prenais la parole, je vous demandais moins de paroles et plus d'actes. Donc vous avez fait des actes. Mais quels actes ? Alors, pour réduire le temps de cantine, vous avez supprimé l'entrée et le laitage. Donc, le repas n'est pas équilibré et c'est sans compensation financière. Bon. Vous proposez une fois par semaine des paniers repas, donc composés d'une salade en boîte. Salade en boîte, hein, c'est presque une oxymore. D'une salade en boîte, d'un gâteau sucré, d'un jus de fruits, d'un kiri et d'une pomme. Donc, on est bien d'accord que... Donc, les salades, elles sont comme ça, hein. Donc on est bien d'accord que le grammage est insuffisant, que c'est pas équilibré pour des enfants qui sont en pleine croissance. Et moi qui suis également enseignante, je me demande comment ils arrivent à suivre un après-midi de cours avec si peu dans le ventre. Et ceci est encore au même tarif qu'un repas chaud. Donc après le repas déséquilibré, vous avez mis en place la galette sucrée dans des emballages individuels, donc ce dont Madame Rubirola avait parlé au mois d'octobre. Mais sans l'aval de l'inspection académique. Donc, ce qui montre quand même un petit peu un espèce d'amateurisme. Alors, quel impact ces actions ? Où est l'équilibre alimentaire ? Où sont les compensations financières ? Et quel impact ont ces actions de la mairie centrale sur la santé des enfants ? Donc, on sent un petit peu la majorité un peu inefficace sur cette gestion de crise. Qu'en est-il, hein, d'ailleurs, des autres communes, elles aussi, hein, touchées par la pandémie du Covid. Surtout qu'on sait également que le repas en cantine est peut-être parfois le seul repas pour les familles en situation de grande précarité. Alors, vous parliez tout à l'heure de travailler ensemble en bonne communication, c'est également notre souhait, sauf que nous ne sommes associés à rien.
Nous, après, on a eu un petit passage de communication qui a été assez intéressante au mois d'octobre ou novembre, et puis plus de son, plus d'images. Donc on n'est pas prévenu des écoles qui subissent les fermetures, les grèves de cantine, les cas de Covid, alors que peut-être que si on était prévenu en amont, des fois on pourrait faire des choses comme ouvrir des centres aérés, ce que nous faisons quand on est prévenu bien en amont. On pourrait par exemple, comme l'épisode là de l'école fermée à tôt dans la matinée, on aurait pu peut-être envoyer un personnel de quartier ou un animateur, voilà, si peut-être quelqu'un avait daigné prévenir le maire de secteur. Et oui, nous sommes à vos côtés. Oui, vous avez raison, Madame Guérard. Nous avons le désir de travailler ensemble pour nos écoles. Et c'est ce que nous faisons. Voilà, nous assistons tous ici au conseil d'école. Et d'ailleurs, il va bientôt y en avoir. Et je me demande quelle réponse allons-nous pouvoir leur apporter concernant les travaux, puisque malgré mes demandes répétées, je n'ai pas obtenu la programmation de 2021. Donc, je ne sais pas quelle réponse est-ce que nous pourrons faire. Ce que je sais, là, de ce qui se passe, eh bien, mais remontés par les parents d'élèves, mécontents hein, de ces actions palliatives. Donc voilà, pour travailler ensemble, c'est un petit peu compliqué, hein, sachant que pourtant nous avons mis du nôtre, nous avons abondé avec les ASIC mutualisés, les animateurs, voilà, nous avons mis en place des actions. Donc nous sommes à vos côtés et nous voulons travailler avec vous. Voilà, donc pour un parti qui disait que les écoles, les enfants et l'environnement étaient leurs priorités, c'est assez déroutant. Merci. Très bien, écoutez, merci Madame Bruna. Madame Guérard, vous avez la parole. Bon, encore une fois, je vais essayer de faire une réponse brève. Il ne vous a pas échappé qu'on est en pleine pandémie. Il ne vous a pas échappé que le protocole sanitaire des cantines a encore changé. Bon, des fois, j'ai envie de vous répondre, mais vous pensez vraiment que vous feriez mieux avec la catastrophe que c'était avant? Je ris. Quand pour Sodexo... Non, mais je vous réponds très tranquillement, Madame Bruna. C'est Madame Guérard qui a la parole. Et très tranquillement. La Sodexo, on n'est pas satisfait du pique-nique, effectivement. On a dû faire ça en catastrophe, parce que cette rotation par repas du midi, ce n'est pas possible. Il y a des villes ailleurs qui ont fermé leur cantine, hein, pour répondre à votre question. Nous, on essaie de ne pas le faire. Non, vous fermez, vous fermez les écoles, c'est mieux. Non. Mais la situation, elle est compliquée, M. Royer-Perrot. Oui, vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez jamais... Personne n'a jamais vécu ça. En mai, en juin, les écoles étaient fermées. S'il vous plaît, ne comparez pas le premier confinement et l'accueil qu'on a fait des écoles maintenant. Allez, Madame Guérard, allez, vous n'êtes pas satisfait de Sodexo ? Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas satisfait de Sodexo ? Nous non plus. Qui l'a choisi ? Qui a choisi cette DSP ? Depuis combien de temps il y a Sodexo ? C'est nous qui avons mis Sodexo ? Vous critiquez vous-même ce que vous avez mis en place, en fait. C'est vous le donneur d'ordre, madame. Non. C'est juste quand on est coincé. Hein. Une DSP, ça ne s'arrête pas minute. Hein. On ne peut pas dire maintenant qu'on ne veut plus Sodexo. Et vous le savez tous très bien ici. Et vous savez tous très bien qui a mis la Sodexo. Continue. Donc oui, la situation est difficile. Oui, Monsieur Huguet, il a pas une position facile en ce moment et peut-être qu'il a moins le temps de venir vers vous, mais parce qu'il gère que des urgences, parce que l'état des écoles en ce moment, c'est une urgence. Il a fait énormément d'embauches, sauf qu'en ce moment, avec les ASA, vous le savez, hein, on le sait tous quand même ce qui se passe. Donc se tirer dessus à boulet rouge, comme vous le faites, pour encore une fois faire de la polémique, alors que vous savez très bien ce qui se passe, que les gens sont en ASA, que les agents tombent malades. On a énormément d'agents qui tombent malades en ce moment. On ne peut pas remplacer minute. On a fait 350 embauches. On a plus de départs que d'embauches. Donc, de toute façon, tout ce qu'on fait ne se voit pas. Mais est-ce que c'est vraiment... Encore une fois, est-ce que c'est vraiment à votre honneur de faire ça comme ça? Moi, je ne pense pas. Après, vous jouez votre opposition comme vous jouez votre opposition. Vous faites un conseil d'arrondissement extrêmement polémique. J'en déduis que c'est très compliqué pour vous d'avoir perdu et que vous ne l'avez toujours pas digéré. Vous ne tracassez pas. Ce n'est pas un problème. Manifestement, ça vous fait mal quand même. Ce n'est pas un souci. Mais franchement, sur les écoles, la situation est suffisamment difficile pour ne pas ne dire ce que vous dites. Et sur la Sodexo, vous êtes responsable qu'ils soient en place dans les écoles. Bien, allez, Madame Guérard. Bon, moi, je veux beaucoup de choses, hein, mais enfin, on va rétablir quelques vérités quand même. Là aussi. Ah, Monsieur Villeneuve. Allez, Monsieur Villeneuve. Moi, écoutez, pour
gouvernement sait très bien que je suis pas un politique, je suis plutôt un scientifique, et j'avoue que j'ai rien compris. Parce que non, mais quand je revue beaucoup d'articles internationaux dans des grandes revues, et le premier principe, c'est de vérifier que dans le titre, que l'article corresponde bien au titre, en tout cas que le titre annonce l'article. Or là, je vois dans le titre l'imperméabilisation des écoles, des cours d'école, et tout d'un coup, j'entends parler de tout à fait autre chose. Alors, je pense que là, ce que vous avez dit, ça serait bien, mais alors dans les vœux du conseil d'arrondissement, pas du tout dans la délibération de cet article-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on mélange tout d'un coup. Scientifiquement, je suis habitué à ce qu'on sépare bien les choses et qu'on réponde aux questions posées et pas à côté. Oui, c'est gentil, M. Villeneuve, de nous rappeler votre passé, votre expérience scientifique, mais enfin, vous ne nous ferez pas croire, vous qui avez été engagé dans tous les combats politiques de ces quartiers depuis de très nombreuses années, que vous ne maîtrisez pas non plus la connaissance du débat politique, s'il vous plaît. Nous avons un débat sur les écoles et nous avons une situation particulière en ce moment que les parents subissent dans les écoles. Alors moi, je veux bien que la majorité qui avait fait des écoles son marqueur politique, qui indiquait que c'est sur les écoles qu'elles seraient jugées, soit prises à défaut de beaucoup de dysfonctionnements, pour ne pas dire d'incompétences, et que du coup, elles soient obligées de trouver tous les parvents, tous les pare-feux possibles pour essayer de cacher son irresponsabilité. Mais la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui des écoles qui ferment. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Sous la précédente mandature, et Dieu sait s'il y a eu des grèves dans les cantines, il n'y a jamais eu une école qui n'ait été fermée. Je n'ai jamais eu dans mon secteur municipal de parents d'élèves qui mettaient sur les grilles des écoles parents en colère. Je n'ai jamais eu d'école qui fermait avec des gamins qui étaient dans l'école, sans que personne n'ait, je dirais, la délicatesse d'informer le maire d'arrondissement. Parce que sur l'école de la Baume, Madame Guérard, à un moment donné de l'histoire, il faut être aussi, je dirais, correct et dire les choses vraies. Quand vous mettez sur les réseaux sociaux que c'est à cause du Covid, mais vous foutez du monde ou quoi ? Deux ATSM dans l'école, une personne qui était en Covid depuis début janvier, exactement depuis le 7 janvier. Les faits surviennent fin janvier. Donc l'école, elle ferme pas à cause du Covid, elle ferme à cause d'un personnel qui est malade et qui ne va pas venir ce jour-là. Et vous osez dire que c'est à cause du Covid, alors que nous, ici, dans cette mairie d'arrondissement, j'ai donné la liste des personnels qui pouvaient être mobilisés pour venir justement en soutien. Voilà, et vous ne les utilisez pas. Et aujourd'hui, dans cette école, il y a encore un ATSM qui manque et nous sommes avec un ATSM pour faire fonctionner l'école. Donc ça veut dire que demain, s'il y a cet ATSM qui est malade, eh bien oui, cette école referme. Mais moi, je n'ai jamais vu d'école où on accueillait les enfants à 8h30, où on appelait les parents pour leur dire de venir les récupérer à 10h30. Voilà. C'est ça la réalité. Alors vous pouvez me parler de pandémie, mais moi écoutez, on a géré la première pandémie, je suis désolé, on a géré la première pandémie, là où plus personne ne comprenait ce qui se passait. Et je me rappelle la position de Monsieur Payan. Donc arrêtez de vouloir refaire l'histoire, arrêtez de vouloir faire croire que sous votre mandature, tout est plus compliqué, tout est plus difficile. La réalité, c'est que vous avez des parents qui sont à bout, madame. Vous avez des parents qui n'acceptent pas que pour le même prix, vous leur proposiez une salade en boîte saupiquée avec une compote et un biscuit. Voilà, ça, ils ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas que vous informiez la veille pour le lendemain, et encore, c'est dans le meilleur des cas, que vous fermez les écoles. Ils n'acceptent pas que vous proposiez un courrier là comme ça pour une madeleine, comme ça, sans même d'ailleurs recueillir l'avis de l'inspection d'académie. Et tout est à l'avenant. La réalité, vous parlez des effectifs, 390, 490. Si j'écoute, première déclaration, c'est de la municipalité, on va recruter donc 300 personnels, 150 ASIC, 150 ATSM. Et en même temps, on va passer à peu près 70 ASIC de 20h à 40h, de 25h à 40h. Après, on va les recruter. Après, le discours, ça a été, on les a recrutés. Et maintenant, quand vous lisez l'article de M. Huguet hier, c'est, ils arrivent à partir du 1er février. Mais vous foutez du monde, en fait. Vous vous foutez du monde. C'est ça, la réalité.
C'est juste inacceptable. 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 Non, mais je suis en colère parce que qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai jamais vécu ça. Jamais vécu ça. Voilà. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans 75 écoles du secteur, eh bien, vous avez des centaines d'enfants qui mangent mal, vous avez des parents qui sont maltraités et qui sont mal informés, et nous, avec nos petits moyens, on éponge comme on peut ce que vous ne savez pas faire. C'est ça, la réalité. Je suis désolé. Voilà. Alors, à un moment donné, le discours qui consiste à dire « on recrute », alors que le personnel n'est jamais arrivé, ça commence à bien faire. Voilà. Et je tenais à le dire ici, dans ce conseil d'arrondissement, et ça ne m'empêcherait pas de le dire ailleurs, dans d'autres enceintes. Parce qu'aujourd'hui, ce double discours est juste insupportable. Et d'ailleurs, on le voit bien, les parents d'élèves aujourd'hui sont perdus. Les parents d'élèves aujourd'hui ne reçoivent pas de réponse de la mairie centrale. Je suis désolé de vous le dire. Quand j'ai fait ma sortie vendredi dernier, ah oui, j'ai eu un appel de M. Beau, le conseiller de M. Payan, pour me dire que j'avais raison, figurez-vous. Il a fallu que je fasse un article dans la presse. Vous étiez en train de me dire que je mentais, que j'étais un gros menteur, alors que le directeur et que le conseiller du maire est en train de me dire que j'avais raison. Quand même. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village et de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. La réalité, c'est que vous aviez annoncé 30 millions de travaux, il y en a eu à peine 12 millions, et encore, vous avez intégré dans les 12 millions des choses qui avaient été arrêtées sous la précédente mandature. La réalité, c'est que vous aviez annoncé 490 recrutements, que les 490 recrutements, nous sommes le 1er février, et a priori, ils devraient être réalisés, alors que ça fait 6 mois que vous nous dites qu'ils sont réalisés. Vous nous annoncez les collations le 1er février. C'était un engagement de Mme Rubirola lors d'une réunion avec les maires de secteur que nous avons eue au mois d'octobre. Vous annoncez ça comme une grande victoire le 1er février. Et en plus, vous nous dites que les fameux pique-niques d'urgence sont des pique-niques vraiment en cas de Covid. Or, il apparaît, lorsqu'on est au contact avec la population et avec les parents, qu'en fait, ces pique-niques sont beaucoup plus réguliers et ne sont pas du tout dans le cadre de crise Covid. C'est-à-dire, on est sur des rotations avec chaque jour une école différente où il y a ce type de pique-nique. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, vous acceptez cela et au même prix ? Mais quand vous parlez de la Sodexo, mais c'est vous qui donnez les consignes à la Sodexo. Vous avez des réglementations aujourd'hui qui vous permettent de modifier les marchés publics beaucoup plus facilement. Utilisez-les au lieu de dire c'est la Sodexo, c'est la faute à Godin, c'est la faute à machin. Voilà, c'est vous qui êtes en responsabilité. Ça fait 7 mois que vous y êtes. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des parents qui sont excédés et le maire qui le représente l'est tout autant. Ceci étant, je soumets au vote le rapport. Y a-t-il des observations, des oppositions ? Le rapport est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous en remercie.